protéger. Et croyez pas que j'ai peur d'utiliser ce machin. Ah, allez, les nouveaux, dans le resto. On a juste à soulever ce panneau. C'est parti, on y va, let's go, mon ami. Comment on soulève le panneau déjà? Écarte-toi, acolyte. Je vais invoquer la fureur d'une gamette. Voilà, pourquoi ça marche pas. Même la fureur du diabète n'arrive pas à soulever ce panneau. Putain, j'en peux plus. Il me faut mon insuline. Bon, il me faut mon... Il en a plus. Oh non, mon Dieu, je suis à court d'insuline. Il faut que tu m'aides, c'est plus une pomme, mais je n'ai plus d'insuline. Je vais faire un somme diabétique. Je meurs. Oh mon Dieu. Maman, maman, je meurs, pitié. S'il vous plaît. Il est mort. Il est vraiment mort. Allez, on... Bon bah, un petit selfie. C'est cool, j'ai une nouvelle. Ça se passe comment de l'autre côté, les gars? RTC, tout c'est triste. Tout va bien pour vous? Super. Tenez-moi au jus. D'accord. Bah du coup, là, on l'a un peu dans le cul, en fait. Tu sais ce qui rend mes paix aussi pourries? Le Tex-Mex fait maison. Ah, ça veut dire faut péter. Et pas n'importe quel Tex-Mex maison. Il faut que ce soit très spécial. Si, 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 si. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le nouveau. Ouais, j'ai compris. Maintien LTRT. Oups, c'est pas les bonnes touches. Ah oui, ah, je suis vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Ah, attends un peu. Il s'est passé quoi là? Je croyais être mort du diabète. J'ai le souvenir d'une lumière blanche, la main de Dieu tendue vers moi. Et puis quelqu'un m'a pété dans la gueule et c'est revenu. J'en ai encore l'odeur plein le nez. Déblocage de paix temporelle. Bug. Waouh, tes paix peuvent même déplacer des objets dans le temps. Impressionnant. Maintenant, retournons voir cette stripteaseuse. Les mecs, on a localisé la meuf, mais elle s'est cloîtrée dans le restaurant italien. Il nous faut du renfort. Vous avez entendu? Les mecs, rendez-vous tous au bouquin de Fricolcini. Let's go. On y va. Et alors je lui ai dit, tu sais c'est quoi ton problème? T'es un alcoolo. J'ai pas fait ça. Si, j'y ai dit, tu peux même pas passer une journée sans scotch, poivre. Je pige pas comment ces types peuvent se mettre une mine tous les soirs et trouver ça normal. Oh, ne m'en parle pas. C'est clair que c'est pour fuir leurs problèmes. Désolé, mais quand tu te colles le cul d'un chat sur la gueule, c'est forcément que t'es pas épanoui dans ton mariage. Oui, je pense qu'un paquet de ces toxicos le font parce qu'ils sont frustrés dans leur couple. Ils shootent sûrement parce qu'ils se sentent coincés avec leur femme quelque part. Ça doit être horrible. Quelqu'un veut connaître le menu du jour? Non? D'accord. Ouais, ils sont là. Les voilà! Où est la fille? Elle était là! Vous l'avez pas vu entrer? Non, on était en train de synchroniser nos montres. Non, on regardait la carte, parce que Cartman nous a dit de commander à bouffer. Combattre le crime le ventre vide, c'est super dangereux, monsieur volant. Je dis ça pour ton bien. Ouais, c'est ça. Elle a pas pu sortir. On l'aurait vu passer par devant. Eh ben peut-être qu'elle est dans l'arrière-salle. Ok, allez voir les mecs. Appelez si vous avez besoin d'aide. Nous, on attend les graissins. Le coon. Yes, on a débloqué le coon. Franchement, elle est pas mal la nouvelle équipe, hein. Je vais pas dire non. Ah, y'a quoi? Oh, je sais pas. Ah. Bon, attendez, on va quand même fouiller un peu. Là, il y a un petit passage qui s'est débloqué, on l'a vu. En cuisine. Allez!
faut aller servir toutes ces pâtes et ces boulettes aux clients. Ces types ont l'air dangereux, acolyte. Hé, Michel Con. Oh, le PD. Il m'a attaqué. Let's go. Qui veut se faire tailler en premier? Je vais te transformer. C'est pas bon pour les affaires. Regarde bien le nouveau. Je vais faire un truc qui dématte. Je t'ai couné. Je suis sûr que je suis en entier dans une marmite, petite merde. Je vais vous montrer pourquoi cet endroit est... Tes pétards peuvent étourdir tes ennemis, te laissant le temps de courir et de frapper avant qu'ils ne t'attrapent. Vous vous êtes fait enculer! Je vais vous gaver au maïs et prélever votre foie gras. Ça attendrit les chairs. Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. Genre, je dois encore... Attendez. Putain, là, je peux vraiment pas frapper, en vrai. Je suis un peu coincé. Ah, là, c'est bon. Il faut que je fasse fondre les graisses de viande et les fromages. Le seigneur Pétard arrive en trombe. Je vais vous snacker sous une brique. Captain Insuline, allez. Fais semblant d'avoir mal. Mes potes, regarde. Ça va chauffer dans cette cuisine. Y a que le chef qui a le droit de me maltraiter dans cette cuisine. Je te renvoie chez ta maman dans un doggy bag. Il doit donner de la vie, le bâtard. Je vais me tremper les couilles dans ta sauce. Non, pas ma sauce. Ça va piquer un peu. T'es bon pour faire la plonge le reste de ta vie. Hé petit, tu t'es déjà fait lâcher le pénis? Voilà qui prévade, rien de bon. T'as déjà nettoyé un bac à graisse, gamin? Tu vas aimer. On peut sûrement stocker vos corps au vestiaire pendant 6 bons mois. L'est-il? Prends ça! Boum! Quelqu'un est prêt pour sa série dérivée, du moins pour la télé turque. Bouge pas! Ah, ça, c'est une spatule pour gaucher. Désolé de gâcher la fête de la pizza. On les barre. Pouf! Comme on l'a déglingué, celui-là. Ressens la colère de l'homme cerf-volant. Non, on va juste attaquer en X. Je vais te désosser. Tu vas bientôt devenir une simple tache sur mon tablier. Vas-y, j'ai envie d'utiliser l'outil du Kun. Regarde le Kun à l'œuvre et tire-en des leçons, le nouveau. Les autres, essayez de pas crever. Let's go, c'est parti pour son ulti. On va voir ce que c'est. Oh, je me transforme en sauce bolo. Il est vraiment cool. Allez, son ulti. Allez, décrave-le. Non, on va pas. Allez, bon, ça fumier. On sera peut-être copains un jour. Je vais enfreindre votre code. Et non, t'attaques pas. Votre tour est maintenant, la merde. Je repeins les murs. Terreur de diamètre. S'il me touche encore, je vous colle tous à la plonge. Ça plaît, ça. Je vais t'écraser la nouille dans les risoni. Dans les risoni. On sait qu'il allait bien. On va me faire le coup du gigot. Dans les risotto. Je me demande
demande si on arrivera à faire ça à ta figurine. Avec un truc à ressort, peut-être. Je compte sur toi, partenaire. Alors là, on peut pas attaquer. En vrai, j'ai juste à... Ouais, fin de tour. Aïe! Voilà qui devrait faire péter les collagènes. L'heure de diabète a sonné. Y. On veut qu'on guérisse jamais le diabète. Homme sans volant, prêt au décollage. Bah, en vrai, on pourrait soigner qui? Non, non. Mais on va soigner Cartman. Profite. Adorable, merci. Je te fais encore crier comme une truie. Ah mais il abuse là, faut qu'on en défonce un là. Le coup vous traînera tous en justice, chef sans vergogne. Quoi? On ne fait que préparer les pâtes et les scalopines et... Recommence et je t'aplatis comme la piadine. Merde. Je me décale. Putain, je peux pas les niquer un truc. Par contre là, ouais. Boum, allez. Tu veux un bouquet de crème fraîche avec ça? Non, merci. Capitaine Diamond s'apprête à frapper. La prochaine tournée de briques de jus de fruits est pour moi, capitaine. Ultime prêt. J'ai une soudaine envie de rejoindre la stratosphère et d'atomiser ces connards. Ça va. Allez, ulti. Enfoiré! Mon corps est aussi sacré que l'hôtel de Saint-Joseph. Waouh! Il y a encore du monde en vie en bas. Je vais vous aplatir comme une pizza. Comme une pizza. Si vous cherchez le coup, vous en répondrez devant ses amis. Pas vrai les mecs? Ouais, ouais, on arrive. En vrai, il est sûr de perdre. Mon eczéma. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. On voit jamais des trucs aussi cool dans les documentaires animaliers. C'est à toi. Mamma Marie, je préfère me cacher dans le four à pizza. C'est bon, normalement on a gagné. Bye bye les gars, autour des vrais super-héros. Yes, tu as gagné. Tu es... Moi j'ai pas vu combien d'argent on avait gagné, mais ça avait l'air pas mal. Les chevaliers des glucides n'ont rien pu faire contre le Koon et sa bande, pas vrai acolyte? Classe a dû partir par là, mais le chemin est barricadé. Je pourrais soulever ça facilement, mais je peux pas prendre de jus de pomme sans insuline pour me faire redétendre. On pourrait peut-être déclencher ma fureur du diabète. Du coup, hop, on va changer un peu de costume. On va se mettre en mode... Vas-y, en mode Twitch. Hop. Ça va être pas mal. Tac, tac, lunettes. On va juste changer les cheveux. Voilà. On va se mettre peut-être mon moustache. C'est parti. Bien sûr, avec ma super force, je pourrais la renverser. Mais je peux plus boire de jus de pomme sans mon insuline. René assiélise l'état des objets ou des êtres. Ok. Il faut trouver le moyen de basculer ça sans faire appel aux jus de pomme.
un super-héros tellement bien élevé qu'il est presque impossible de me mettre en rade. Sauf que... Attends, ça y est. Des paix acolytes, des paix abominables sont capables de me mettre en rade. Bien sûr, le Kun n'essayait pas de me déstabiliser en me disant que c'était l'épée de ma mère qui m'avait donné le diabète. Il voulait m'aider à libérer mes pouvoirs. On va passer par là, retrouver Classy acolyte. Pour le bien de South Park, pour le Kun et sa bande, il faut que tu me pètes sous le nez. Vas-y, pas de problème. Fais pas le timide. Dis-moi où je dois me mettre. Ici. D'accord, quand tu veux. Tu respectes rien dans ce soir. La voie est libre. J'ai du mal à me laisser aller. Mais si on se retrouve de nouveau dans une situation délicate, acolyte, sache que tu peux me péter au visage. No problem, bro. Tous les chats qui ont été kidnappés. Merde alors ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon sang ! Il faut prévenir les autres ! Kun ! Ouais, capitaine Diabète ! On a trouvé des sangs perdus ! Une pièce pleine ! Pas possible, sacrément et merveilleux ! Négatif ! Il n'y en a pas de gros et vieux ! Bah, et la meuf ? On la cerce tout d'or ! Il faut découvrir ce que c'est ! Au boulot ! On est si près que je peux le sentir ! Allez, acolyte ! Il pourrait y avoir une grosse bataille qui arrive, mon pote. Mieux vaut s'assurer que t'es équipé en potions de guérison et que t'as tes meilleurs artefacts avec toi. Malédiction, le spa est bloqué. Je t'écoute, non? C'est toi qui me gêne. Peut-être que tes pouvoirs recto pourraient dégager la voix. Ok. Yeah. Le smile bloqué. Ok, attends. Peut-être que je dois mettre ça comme ça. Je vais faire quoi là? Déplace vers la gauche ou vers la droite. Enfin, je comprends pas. Toute possède cet effet statistique. Ok, donc. Peut-être que je le trouve à la bonne place. Et que je fasse ça. Ah ok, je suis trop con en fait. Des ennuis pourraient nous attendre derrière cette porte. Il y a quelqu'un là-dedans. Prêt. 1, 2, diabète. Tu vois, je t'avais dit que j'étais suivie par les flics. Et tu les as amenés ici, pauvre débile. Oh, c'est qui que tu traites de débile? J'ai l'air d'être ta mère. Ouh. La fête est terminée, Classy. Ces mômes, c'est des flics? C'est pas un flic, c'est Capitaine Diabète. Sa mère a pété lors de l'accouchement et il a attrapé le diabète qu'il utilise désormais pour combattre le crime. C'est pas comme ça qu'on attrape le diabète. Si ce sont pas des flics, on peut leur tirer dessus. Et sur cette conne. Oh merde. Vous vous retournez contre moi? Je savais que j'aurais pas dû me mettre en affaire avec des mecs qui ressemblent à Tony Soprano. Au revoir, Capitaine Diabète. On va voir si ton diabète peut te sauver. Oh oh. Ah. Qu'est-ce que... Je veux mes clés. Je ne sais pas tes clés, mec. Il s'est défoncé au vin rouge. Les bitures au vin rouge, c'est les pires. Ma Randy défonce tout le monde. Foutons le camp d'ici. Ok, Capitaine Diabète. Fini la plaisanterie. Donne-moi les putains de clés. Vous n'êtes pas en état de conduire. Alors,
Meurs. Comment c'est le combat? Putain, je crois que c'est... Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Marth. Je vais appeler votre femme. Laisse Sharon en dehors de ça, merdeux. Vous êtes... Trop... Purée, t'as encore réussi, Trouduc. Tu es le fléau, et je suis le cône. En fait, j'ai perdu un tour. Là, j'ai joué... J'étais con, là, en vrai. Je sens pas la douleur. Faut y aller, Trouduc. Oh merde, ça a dû faire mal, ça. Je peux pas vous laisser vos clés. C'est ça, Sophie. Oh, je suis en l'air. D'accord. Pourquoi tu les laisses te cogner comme ça? Esquive, bordel. Merde, merde, une seconde, Sharon m'envoie un texto. Je peux pas taper. Bordel, pourquoi je peux pas taper? Pourquoi j'ai des pouces énormes? Hé, hey, Siri, prends une putain de note. Dis à ma femme d'aller se faire foutre, je suis en train de me battre. Émoji de merde. Ah, mes clés. Ah, je crois qu'on a sous-estimé les pouvoirs du vin rouge. Il peut attaquer deux tours? Ah non. Ah si. Regardez-le. Putain, ouais, il fait mal. Non, il l'a mis carreau. Wouah, ça va être dur. Ah, douleur. On va avoir une potion. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Bon. Ah, ils t'ont rendu tout faible et tout. T'as pas intérêt à perdre. Je garde vos clés. T'as Captain Diabète, il est trop balèze en vrai. Ah, je crois que mes boules me sont remontées dans le bide. Oh bordel, elle a pas l'air contente. Lequel d'entre vous a dit à Sharon que j'étais ici? Une minute. Je rentre bientôt. Je cherche mes putains de clés. Cœur, cœur, XO, envoyé. Cool, on approche. Mince. Oh, maman va bien s'occuper de toi quand ce sera fini. Vas-y, on va utiliser notre petit ulti. Reconstitue une petite quantité, skip, élimine les effets. Ah, on pourrait utiliser ça. Quelle est cette sorcellerie juive? Pendant ce temps-là, dans le hall des meilleurs superpotes. Les decks seront effacés, les esclaves libérés. Moi. Ah, c'est pas mal ça. Il s'en prend encore à moi, Trudic. Ah, non, il pourra pas jouer. Je suis encore tout chargé. Bim. On dirait que j'ai pas parié sur le bon cheval. C'est bon, on a gagné. Il a plus de vie. Écrase !
Et bim! Comment ça sorti tout seul, mais content que vous ayez été là pour regarder. D'accord, je vais prendre un taxi. Hé, hey, quand le capitaine Diabète est là, on conduit pas quand on a bu. Putain, Captain Diabète, il est vraiment fort, hein, c'est un truc de fou. Yes, on peut rajouter un nouvel artefact. D'accord, d'accord, merde. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un nouveau caïd qui essaie d'écouler de la super cam. Ce type est en train d'essayer d'unir les familles italiennes et chinoises ensemble, bordel. On s'en fout de ça. Où est Sacripant? Sacripant? On a besoin de cette récompense pour notre franchise de super-héros. Oh merde, vous voulez juste un chat? Bon, donc il y a ce Cisco. À moins que rien qu'à commencer à travailler il y a 2 mois, qui se vantait de faire du fric grâce au crime en ville parce qu'un gros bonnet de blanc a la main mise sur toutes les drogues, toutes les catins et tout le reste. Ok? Bon. Mais pas moi. Moi, je me gère toute seule. Ce que je veux dire, c'est que je possède un seul bien. C'est ma chatte. Et que je l'hypothèquerai pas pour les poches pleines d'un enfoiré qui se vante de faire du fric grâce au crime et toutes ces conneries. Classy, Classy, désolé, mais... Et les chats? Ah, ces chats-là? Ouais, bah, il y a un taré d'Asiate du nom de Yakiababa ou un truc comme ça qui paie les 6e pour kidnapper les chats. Sérieux, je trouve ça trop naze d'enlever les minous. Moi, je garde le mien, merci. Je veux dire, c'est criminel, quoi. Ils vont où, ces chats? Ce que je peux dire. Mais j'irai rien avant d'être sûr d'être hors de danger, ok? Ces types rigolent pas. Et je veux être sûr que vous allez me protéger. Eric Cartman, as-tu une idée de l'heure qu'il est? Tu as école demain. Non, pas maintenant, on est sur du sérieux, là. Les enfants, rentrez chez vous maintenant, ou j'appelle vos parents. Désolé, madame Cartman. Désolé. Et c'est qui la stripteaseuse? Le Coon et sa bande m'ont offert leur protection. Eh bien, elle ne reste pas ici. Bien, Quickie, emmène-la chez toi, d'accord? Je suis mort. Et voilà le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park! Good morning, South Park. Bonjour, South Park. Un nouveau justicier a fait une apparition remarquée hier soir en se débarrassant apparemment seul de la famille mafieuse des Famboni. Pour nous en parler, voici un nain en bikini. Oui, Tom, je me tiens devant le bouquin des Fagoncini où le justicier a déclaré la guerre au crime à South Park. La vidéo d'une caméra de sécurité montre une jeune personne pétant vers la figure et les couilles de certains individus. Le gamin est entré et s'est mis à péter sur les gens. C'est arrivé si vite, putain. Peut-être que quelqu'un a enfin décidé de redresser le cap de cette ville. Cet enfant est un héros. Selon moi, ce môme est une menace. Combien de temps faudra-t-il avant qu'un innocent soit tué? Combien avant que Daredevil devienne le Punisher? Hein? 3 saisons? 3 saisons. Sur le lieu, la police a trouvé une mine de produits illégaux qui relierait le restaurant italien à un syndicat du crime de plus grande envergure. Il se pourrait que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg. C'est à glacer le sang. Et certains témoins rapportent également la présence d'un acolyte. Effectivement, certaines rumeurs font mention d'un acolyte, Tom, mais l'enquête a démontré qu'il ne s'agissait que d'un pédzouille atteint de diabète. Merci, le nain. Et bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres est désormais, qui est ce justicier péteur? On va encore passer pour des buses. Vous avez merdé. C'était pas notre faute. Ce gamin est entré dans le restaurant et s'est mis à péter comme un cinglé. Les Italiens, vous, vous transportez le matos. Les Chinois et les Russes s'occupent du reste. Il faut rester discret, sinon les gens vont découvrir la vérité. Apprendre qu'on glisse le produit dans la cam et l'alcool pour faire monter la criminalité. Continuez à faire votre boulot en distribuant le pizza dans les rues, où je traiterai directement avec les Russes, ou les Chinois, ou les 6e. Oh la vache, comment j'ai trop bien dormi! Ça faisait des semaines que j'avais pas aussi bien dormi. Alors les gars, vous avez fait quoi de beau hier soir? Bon, ben rien, comme d'hab. On a maté la télé et on est allé se coucher. Ouais, rien de passionnant dans nos petites vies monotones. Bon, ben alors, on se voit demain, hein? Tu as une grosse journée qui t'attend, le nouveau. Va passer ton costume de super-héros et attends un message du Coon.